رجعنا معكم من جديد مباشرة من مدينة الثقافة في تغطيتنا الخاصة للدورة 16 HR Expo. مواصلين معكم مشوارنا إن شاء الله حتى للخمسة متاع العشية من هنا مباشرة كما قلنا من مدينة الثقافة. وضيفتي التالية جوستومون باش جوفي مي بيرميتر باش نحكيو باللغة الفرنسية، نحاول أني نترجم لكم من بعد جلوبالمون شنو اللي حكينا فيه. باش تكون حاضرة معايا وحاضرة معايا دايوغ نرحبوا بها مدام ستيفاني روجي ديريكتريس جينيرال ETAI et Common Online, société via chez Tunis. Bonjour et bienvenue parmi nous en Tunisie. Bonjour Manel, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Bonjour, alors votre participation en tant que directrice générale de cette société justement ici au salon de HR Expo, le salon des ressources humaines, je ne sais pas si c'est votre première ou non. Alors, c'est notre première participation sur un salon de telle ampleur. On en avait fait un premier l'année dernière et là on s'est dit c'est le moment, vu qu'on est en train d'essayer de donner beaucoup plus de visibilité à notre groupe en Tunisie, c'était le moment de participer à ce salon et qui est dans un très bel endroit en Tunisie d'ailleurs. la cité de la culture que vous découvrez. Tout à fait. Marhaba. Alors justement, Lioum, votre participation à ce salon et surtout la thématique de ce salon en fait aujourd'hui qui se pose, c'est la quête de sens. Quelles compétences pour les entreprises de demain? Vous allez également participer demain un panel qui porte le titre ou le nom de Challenge des compétences et l'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est, je pense, le challenge de toutes les entreprises, tout secteur confondu. On en a déjà parlé avec nos précédents invités. Comment, justement, retenir les compétences? C'est l'un des axes sur lequel tout le monde travaille, mais surtout, comment choisir ces compétences? Comment les retrouver? Et où les chercher? Alors je pense que justement, le fait de trouver des compétences, on en trouve, mais on ne les détecte pas tous. Et voilà, il faut que les entreprises elles s'ouvrent beaucoup plus en termes de profils seniors ou juniors. Parce que les profils seniors et juniors. Ça, d'accord. C'est vraiment les carences. En fait, on voit que voilà, les profils de, on va dire, de 40, 35, 40 ans, mm-hmm. on les trouve. On voit rarement des gens de 50 ans postuler. Déjà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, de nos jours, ça commence à être un problème parce qu'on sait que l'emploi des seniors va être un sujet demain. Oui. Et au-delà de ça, il y a aussi les sujets de la diversité et notamment le sujet du travail des personnes handicapées qui aussi, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont diplômées, qui ont les compétences, mais qui n'osent pas se mettre en avant et qui n'osent pas justement aller frapper aux portes des entreprises. C'est eux qui n'osent pas ou bien ce n'est pas stipulé peut-être? Alors, peut-être que ce n'est pas stipulé dans l'annonce, mais pour nous, en tout cas, le groupe Info Pro Digital, ça fait partie de nos valeurs. Nos portes sont ouvertes à tout le monde en termes de diversité et notamment aussi de handicap. Et donc, peut-être qu'en Tunisie, il faut le spécifier. Que voilà, nos postes sont ouverts aussi aux personnes en état de handicap, mais ça ne ferait pas vraiment partie, ça correspond à nos valeurs et du coup ça peut aussi mettre en place quelque chose de très intéressant au niveau de l'engagement de tous les collaborateurs dans l'entreprise autour de cette réunion pour un objectif commun et de travailler ensemble. Aujourd'hui dans ce cas, si on parle de postulat concernant les personnes porteuses d'handicap, elles peuvent postuler. Même si ce n'est pas stipulé dans l'appel à candidature ou autre, il faut postuler. Vous ne trouvez pas de personnes qui... Ah non, bien sûr, tout le monde doit postuler. Il n'y a aucune discrimination qui est faite, que ce soit sur la couleur de peau, le handicap ou n'importe quoi. Pour moi, nous, c'est des compétences et des personnes qu'on recherche. Le handicap, c'est un autre sujet. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que par rapport justement aux porteurs de handicap, c'est eux qui n'osent pas postuler ou bien est-ce qu'ils postulent, mais au niveau des RH, des ressources humaines, des entreprises, on a peut-être cette peur que puisqu'il est porteur d'handicap, il pourrait ne pas être compétent, alors que ça peut ne pas être le cas, mais pas du tout. Alors, en tout cas, moi, je vais parler de ma situation personnelle. Depuis 10 ans que je suis en Tunisie, je n'ai pas eu une candidature de personne handicapée. Zéro. Donc du coup, j'en ai un peu parlé de mon réseau. J'ai vu qu'il y avait certaines associations qui existaient. Et donc, l'idée, ça serait un peu plus d'ouvrir les portes et que les gens... Alors, je me pose... Peut-être qu'ils n'osent pas postuler. En tout cas, l'appel est lancé. Voilà. Venez au salon. Les compétences sont partout. Et voilà, en fait, le sujet... C'est dans tous les domaines. Nous, on est vraiment... on est l'huitième groupe de la tech française. On a des métiers qui sont autour du contenu, qui sont autour... de l'enrichissement de données, enfin voilà, donc je pense que des compétences peuvent être retrouvées parmi ce type de profil. Voilà, donc ça c'est un type des profils parmi tant d'autres. Mais vous avez également cité les seniors. Oui. Les seniors, j'ose dire, surtout après la crise du Covid, c'est
une tranche d'âge qui est assez délicate, qui a déjà des années derrière elle de travail, mais qui peut-être ne se projette pas ou qui ne se retrouve pas dans le marché du travail actuel. Je ne sais pas si peut-être, il y a des pistes il y a là. Des, peut-être des freins sur tout ce qui est digital et numérique. Mm-hmm. Mais on est là aussi pour ça, pour pouvoir aussi accompagner des personnes. Moi, j'ai vécu cette expérience en France avec des mm-hmm. personnes qui travaillaient de façon manuelle, d'accord. qui avaient 20 ans d'expérience, et du jour au lendemain, tout a été numérisé. Ça a été tout un apprentissage, ça a été compliqué. Il y avait des personnes qui nous disaient « mais jamais j'y arriverai, t'es une souris ». Et en fait, ça a été un défi gagnant. Donc, il y a des personnes qui peuvent peut-être avoir des appréhensions, mm-hmm. mais en fait, si on les accompagne bien et qu'on les forme, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas performante. Et du coup, là, entre le rôle justement de la DRH, de la société, il faut qu'elle également, elle soit ouverte à ce type de profil. Tout à fait. Mais en tout cas, nous, on l'est. Voilà. voilà. Sincèrement, on l'est. Il faut le dire. Il faut le dire. On est vraiment ouvert aux seniors, aux juniors, parce qu'on a beaucoup de juniors. Hein, c'est l'état aussi du marché du travail. Bah, c'est ça. C'est cette équation, en fait, qui est assez difficile elle à retrouver. Elle est un peu déséquilibrée par moment. Être vraiment. Junior, c'est fraîchement diplômé, c'est ne pas avoir d'expérience, il faut accompagner, il faut former oui. également. Donc quand on aura exactement, voilà, on aura exactement les mêmes problématiques avec un junior en réalité qu'avec un senior. Sauf que le senior, il aura déjà normalement plus de maturité vis-à-vis mm-hmm. d'une entreprise et des règles et du fonctionnement et de ses attentes. Il sera plus posé, alors qu'un jeune, bah, voilà, il risque d'être plus volatile dans son poste. Mais aujourd'hui, pour vous, pour votre entreprise du moins, il n'y a pas de frein. Il faut non. pas avoir peur, que ce soit pour les demandeurs d'emploi, comme pour justement les DRH, ceux qui nous entendent, qui nous écoutent aujourd'hui, il ne faut pas avoir ces freins, il ne faut pas se les mettre en il fait faut pas se les mettre. Il faut oser. Devant voilà. sa carrière. Pour le développement de l'entreprise, il faut aller de l'avant et surtout, je ne sais pas si j'ose allez-y. Dire, briser tous les tabous. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. Tout à fait. C'est ce dont on a parlé justement en off. Et je vais essayer de traduire justement ce que vous venez de dire à Madame Roger. Donc, on a parlé de la personne qui fait que nous avons choisi les compétences ou les capacités qui sont présentes justement dans l'entreprise. Et quand il y a une demande de travail, nous avons choisi ونتوجه حتى للي بورتور دو هانديكاب اليوم اي حامل لاعاقه نجم يكون عنده الكومبيتونس والكفاءه اللازمه في بوست من لي بوست نتاعها تقول انه 10 سنين متواجده في تونس وما جاها حتى طلب عمل جوستمون من اي واحد حامل لاعاقه تقول انه لابيل ات اوفير ينجم يكونوا موجودين بحذانا اليوم هوني في اليوم وغدوه في صالون الاتش ار اكسبو يكونوا موجودين pour le recrutement. Être senior, elle a une carrière, justement, une carrière au RAC, mais il n'y a pas de problème, ou pas de problème, ou pas de problème, ou pas de problème, également, même si vous êtes en train de carrière, ou les compétences, ou les compétences, ou les formations, ou les compétences, 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 ou les responsables en ressources humaines. Voilà, j'ai essayé de résumer tout ce que vous venez de dire. Merci d'avoir été parmi nous, Madame Stéphanie Roger, justement, directrice général ETAI Common Online Fitons, c'est la filiale ici en Tunisie. Ils peuvent vous retrouver ici au salon. Tout à fait. Justement, venez nombreux, les postes sont là. Oui, les postes sont là, je garantis qu'il y a des postes. Ben sont voilà. Là. Merci infiniment, merci beaucoup, d'avoir Manel. Accepté l'invitation. Merci. Donc, moi, c'est Marakomarna, je suis à Tartit Nadrasa, Hatal El Khamsa, M'Talachia. Khalikom Ali.